Si je me fie à ces marqueurs, l'épreuve d'escalade dont m'a parlé Jekka ne doit pas être loin. Je devrais m'assurer que son frère va bien. Je parie qu'il y aura une avalanche. Ces ténacs ont l'air blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que c'est cette personne qui commande. Je devrais lui parler. Briseuse de mur. Si tu es venue assister au voyage des 10, tu vas être déçue. En fait, je suis à la recherche d'un garçon du nom de Pento. Pento. Ce pauvre bougre était déjà moribond avant le début de la tempête. Tu dépasses les bornes, soldat. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le gamin que tu cherches est resté sur la montagne, avec deux autres jeunes. Pento a été le seul à ne pas suivre la tradition en grimpant sans partenaire. Ses chances sont faibles. Navré de le dire, mais ce n'est pas dû qu'à la tempête. Ça a beau être un ténac, il a toujours été à la ramasse. Et alors, vous n'allez rien faire du tout? Il faudrait appeler à l'aide. On ne trouverait personne dans cette tempête, même si on le voulait. C'est à la montagne de décider du sort de ces gamins. On reparlera de ça. Mais j'ai d'abord quelques questions. Pourquoi est-ce que tout le monde semble si sûr que Pento va échouer? Nous sommes un peuple guerrier. Nous valorisons l'agilité et la force. Pento n'a ni l'une, ni l'autre. Il se coltine les corvées de ménage depuis qu'il est enfant. Et pourtant, il a voulu essayer seul l'épreuve la plus ardue de notre clan. Et tu penses que c'est une folie de sa part? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Quand j'ai choisi de porter une armure de femme, on a aussi dit que c'était de la folie. J'imagine que Pento estime qu'il doit faire ses preuves, montrer qui il est en réalité. Je le comprends, crois-moi. Cette épreuve est suffisamment dure. Même sans tempête. C'est quoi ce voyage, au juste? C'est une des pentes les plus raides du territoire du clan du ciel. On dit que les 10 ont gravi cette montagne deux par deux pendant leur guerre contre les machines. Les nôtres y vont deux par deux pour gagner leur titre de soldat, en suivant l'exemple des anciens pour récupérer la crête de sang. Une fleur qui pousse au sommet. Pento a rompu cette tradition. En insistant pour grimper seul. En fait, personne n'a voulu monter avec lui. J'ai tenté de le dissuader, mais aucune loi n'interdit d'y aller seul, alors je l'ai laissé faire. Ça me rappelle quelque chose. Les Nora ont un rituel similaire. Personne ne voulait de moi non plus. Tant pis pour eux, j'imagine. Oui. Je pourrais essayer de suivre la piste dans la montagne. Pour voir si je trouve Pento. Tu as dit que deux autres grimpeurs manquaient à l'appel? Un seul. L'autre est juste là. Zika! Rocco et moi, on était en train de redescendre. Il y a eu une avalanche et on a été séparés. Je voyais plus rien du tout. Quelqu'un doit se rendre là-haut. On peut à peine voir ses pieds dans cette tempête. C'est pas un problème pour moi. Je reviendrai. Est blessé. Si la tempête se fait trop forte, ah, je peux toujours utiliser mon focus pour trouver ces grimpeurs. Je devrais suivre les marqueurs. Ils me mèneront au départ. J'espère que ça sera aussi bon que beau.
Des marqueurs. Je suis sur la bonne voie. On dirait que quelqu'un est en train de se battre. Ce Ténac a besoin d'aide. Ça va ? Pas vraiment. Mais je survivrai. Ta partenaire d'escalade m'a dit que vous aviez été séparés lors d'une avalanche ? Ma partenaire ? Ouais. L'avalanche nous a eus par surprise. Emportés comme des brins d'herbe. J'étais sûr que c'était la fin. Mais quelqu'un m'a attrapé et m'a sorti de là. C'était Pento. Il a risqué sa vie pour moi. Tu as vu où il est allé ? Sur la falaise, derrière toi. Il voulait vraiment finir l'épreuve. Je lui ai dit que c'était du suicide. Mais il m'a pas écouté. Tu vas pouvoir rentrer tout seul ? Ouais. Tu comptes pas partir à sa recherche ? Vite. Retourne voir Wekata avant que la tempête n'empire. Que les 10 veillent sur toi. Je dois trouver Pento avant qu'il ne se fasse tuer. Je devrais utiliser mon focus pour suivre la piste de Pento. Ce sont sûrement les traces de Pento. J'espère que je vais pouvoir le rattraper. L'avalanche a détruit une grande partie de la piste.
Le soldat disparu a dû monter par ici. Bento est passé par là. La piste a dû s'effondrer après son passage. Je peux peut-être passer en planant. Ça m'aura bien servi. C'est bon. Je devrais pouvoir retrouver la piste de Bento. J'espère que c'est Bento. Je dois trouver d'autres creusets pour apprendre à pirater ça. Qui va là ? Une amie ! Le signal est brouillé. Bento ? On se connaît ? Uekata m'envoie. On doit redescendre de cette montagne, vite. Non. Je refuse qu'on me voie comme un raté. J'irai chercher cette fleur coûte que coûte. Écoute, je sais ce que ça fait quand ta propre tribu te rejette, mais... Alors tu comprends pourquoi je dois atteindre le sommet de cette montagne, ou mourir en route. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Cette escalade est censée se faire en équipe de deux, non ? Faisons équipe. Alors je te suis. On dirait que la piste continue par ici. Tu connais mon nom, mais je ne crois pas que tu m'aies dit le tien. C'est... Aloy. Je vais laisser ça. Tu es certaine de vouloir t'associer au plus gros raté du rempart, Aloy ? Je préfère me faire ma propre idée des gens que je rencontre. Tu sais, tout le monde ne peut pas naître avec une épée dans la main. Mais apparemment, les Ténacs ne sont pas... C'était quoi ? Je ne sais pas. C'était peut-être juste le vent ? Je l'espère. C'est une impasse. Il reste un piton d'escalade de la piste d'origine. C'était incroyable ! Je vais abattre cet arbre, pour que tu puisses passer. Je vais pas m'en plaindre.
Tu as du bon matériel d'escalade. Merci. Il va falloir grimper. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit juste du vent. On y est presque. Et voilà. J'arrive pas à croire qu'on y soit arrivé. Allons jusqu'au sommet maintenant. Une griffe de gel. On avait bien besoin de ça. On peut la faire. Allez.
Allez, par ici à l'œil. Attends! Je dois pas laisser le froid me distraire. Je n'ai qu'à la récupérer pour devenir un vrai soldat. La tempête, elle se calme. Bon. Ça fait quoi de monter en grade ? Beaucoup de bien pour tout te dire. C'est exceptionnel pour moi. Tu sais, même si tu reviens avec ça, ils te traiteront peut-être pas différemment. Franchement, je crois que j'avais juste besoin de me prouver que j'en étais capable. Si tu redescends, dis aux autres que je vais bien. J'aimerais rester un moment si ça te va. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Merci. Je peux rejoindre le pied de la montagne plus vite avec mon aile guide. Tout en profitant d'une bonne vue. Semble si paisible maintenant que la tempête est passée.
devrais bientôt être en bas de la piste. Bento ne devrait pas être loin derrière. Voilà les autres. Aloy, quelles sont les nouvelles ? Je t'en prie. Il faut que je sache ce qu'est devenu mon frère. Aloy, tu reviens seule ? Où est-il ? Est-ce que mon frère... Tu ne devrais pas pleurer comme ça, Jekka. Tu es la sœur d'un vrai soldat maintenant. Bento ! Voici la crête de sang, pour preuve de mon voyage. Avec ma bénédiction, tu rejoins nos rangs. Puisses-tu trouver ton chemin sur les ailes des Dix ? Non, mais c'est une blague ou quoi ? Lui ? Un soldat ? S'il te plaît. Fleur ou pas fleur, on sait tous qu'il ne sera jamais bon à rien à part nettoyer la merde des autres. Plus rien à ajouter ? Dieu vous mette de la neige dessus, Roxanne. Merci de m'avoir sauvé la vie. Lorsque j'aurai ma marque de soldat, je pourrai peut-être combattre à tes côtés. Donne-moi une chance de te rendre l'appareil. Il est mignon. Vas-y, je te rejoindrai. Tiens, en souvenir de notre ascension, puissent les Dix toujours t'accorder la victoire, Aloy. Nous nous reverrons, Bento. Des rebelles. Si je ne m'en occupe pas, ils vont semer le chaos. Je dois rester discrète, trouver qui commande et l'éliminer. Ça poussera peut-être les autres à fuir. Cette machine est résistante.
Jera a dit que la vieille tour de guet devait être près des chutes. Je vais aller dire à ses soldats de rentrer. Voilà la tour de guet. Je dois parler à la chef de l'escouade. Il a... Et de tout le reste, en fait. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un repas chaud? Je vais ralentir ma chute. Tu es Kiva? Ouais. Et toi? Tu es l'étrangère qui a tué le champion de Regala à l'ambassade. L'escouade du Bélier était là. On a vu ton duel. Pivalo me doit encore des éclats. Oh, merci pour ta confiance. La chapelaine Jera m'envoie. Il est temps de rentrer. Jera a perdu la tête. Le commandant ne nous laissera jamais quitter notre poste. Pas après notre insubordination. Les choses ont changé au rempart. Tes côtés ne pourra pas vous en empêcher. Vraiment? Il est enfin tombé de son piédestal? Parfait. Le dernier membre de l'escouade du Bélier est de garde à la tour de la montagne. Je le rappelle. Étrange. Ezeko répond toujours. Quelqu'un va devoir monter. Je peux grimper là-haut, pour voir comment il va. C'est vraiment sympa. L'ascension commence de l'autre côté des chutes. Et évite de te briser le cou. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va. On rentre au rempart. Tu te fous de moi. Et Ezeko? L'étrangère va monter le chercher. Ça doit être le départ de l'ascension. La tour de guet devrait être en haut.
Des rhizoptères. Ils cernent la tour de guet. C'est mauvais signe. Je me rapproche de la tour de guet. Je vais devoir grimper encore un peu. Cette machine a été créée pour tuer les chasseurs. Je dois éliminer ces machines avant d'inspecter l'endroit. Affecté à cette tour de guet. On doit pouvoir en faire quelque chose de bon. C'est sûrement lui.
D'après ses blessures, les Razoptères l'ont attaqué par surprise. Ça a dû être rapide. Kiva a soufflé dans sa corne. Le son est différent cette fois. Je ferais mieux de descendre dans la tour de guet pour aller voir. La tour de guet est attaquée. Je dois redescendre tout de suite. Je tombe avec panache. Je vais arriver en volant. Ces machines vont être surprises. Ezeko va vraiment regretter d'avoir raté ce combat. Merci pour ton aide. Ezeko est en train de descendre ? Eh bien... des machines l'ont attaqué. Elles l'ont eu par surprise. Désolée. Quoi ? C'était le numéro un de l'escouade ! Le meilleur combattant ! Il est mort, Kiva. Il ne reste que vous deux. Maudit Tekote ! On a fait caler à l'ambassade et suivre les ordres du chef Ekaro. Et c'est ça notre récompense ? Une peine de mort déguisée en poste de garde. Tout ça parce que Tekote mène une vendetta contre le chef. Eh bien, c'est terminé. Ouais. Merci, étrangère. Tiens. C'est pour toi. Vivalo ! On s'en va ! Tekote a causé la mort d'un de ses soldats. Mais au moins les deux autres vont pouvoir rentrer. La neige recouvre toute la région.